La place des femmes dans le digital, c'est assez complexe comme histoire parce que c'était un domaine qui était d'abord très féminin, notamment au niveau du développement. C'était tout ce qui est informatique, c'était très féminin. Mais après, ça, dans les années 60, ça a été attribué plus à un travail masculin. Les hommes se sont appropriés un peu tout ça. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est filière web développement, on ne voit pas énormément de femmes là-dedans. Mais je pense qu'on est dans un endroit justement à l'EMI où on nous motive, on nous dit qu'on en est capable, comme les hommes en fait. Au final, au niveau du cerveau, il n'y a pas de grande différence. Mais oui, en fait, j'ai été beaucoup rassurée sur mes capacités ici, sur le fait que je pouvais le faire. Et justement, oui, je pense que les femmes deviennent de plus en plus confiantes là-dedans, même si elles sont plus présentes dans le côté marketing et design. Je pense que de plus en plus de femmes commencent à se faire leur place, notamment avec des codes for her, où il y a des sortes de formations comme ça, pour le public féminin, qui se leur sont adaptées et justement dédiées pour qu'elles se sentent un peu plus à l'aise. Parce que je peux comprendre qu'être la seule fille développeuse dans une classe de 80 hommes, c'est pas forcément simple. Mettre en avant la mixité dans les classes, dire qu'elles en sont tout aussi capables que les hommes, et je pense ne pas genrer les métiers. Parce qu'on dit un dev, c'est très... Le monde du jeu vidéo est très genré aussi. Et quand on voit qu'il y a un endroit qui est très genré et qu'on ne s'identifie pas à ce qu'il représente, ça représente un petit peu une barrière. Donc je pense peut-être mettre, ne serait-ce que des visuels plus féminins, ou mettre en avant plus de femmes chefs de projet ou plus de femmes dev, je pense que ça peut attirer beaucoup plus de filles.